Et donc j'ai dessiné en disant « Je suis Charlie ». Et ça, c'est une idée que j'avais dans la tête, mais ce n'était pas suffisant. Ça ne faisait pas une. Et puis il n'y avait plus que ce jus-là. Il n'y avait plus que cette idée de dessiner Mahomet. « Je suis Charlie ». Et je l'ai regardé. Il était en train de pleurer. Et puis, et au-dessus, j'ai écrit « Tout est pardonné ». Et puis j'ai pleuré. Et c'était la une. Alors que nous, on est surtout des dessinateurs qui aiment bien dessiner des petits bonhommes, comme quand on est gamin. Et d'ailleurs, les gens, les terroristes, ils ont été gamins, ils ont dessiné, comme nous, comme tous les gamins. Donc il y a un moment donné où ils ont perdu leur humour, où ils ont perdu peut-être une espèce d'âme d'enfant qui permet de regarder le monde avec un peu de distance. Parce que c'est ça, Charlie, c'est regarder le monde aussi avec un peu de distance. Parce que c'est important. Que les terroristes qui nous ont attaqués, ils veulent la haine entre les gens. Ils veulent la haine aussi contre les gens qu'ils croient défendre. Et oui, ouais, oui, ouais, je suis Charlie, je suis flic, je suis juif, je suis musulman et je suis aussi athée. Ce numéro, c'est Charlie Hebdo. Il sera en vente, alors, pour les questions pratiques, il restera en vente 2 semaines en kiosque. Il est tiré à 3 millions d'exemplaires, pour le moment, j'espère. Il est traduit numériquement en 3 langues, en anglais, en espagnol et en arabe. Bonjour. 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 Bonjour.